Oui, s'il vous plaît, expliquez-nous. Ben, on va vous expliquer. Déjà, pour commencer, dans un premier temps, comme vous nous avez connus sur les réseaux sociaux, on était dans le foot, vous nous avez vus, il y avait... Bref, on était dans le foot, on jouait au foot. Et la plupart des personnes nous ont connus dans le domaine du foot. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu 3-4 accidents. T'as capté? Même plus. Tu commences par expliquer ta blessure ou j'explique mes deux blessures? On commence par qui? Vas-y, je commence. Vas-y. Tu connais la plus grosse du corps? Et elle, ça, c'est quoi la plus grosse du corps? C'est le fémur. Vous avez votre cuisse la touche là, l'un de deux. Bah, coupé en deux. T'as eu l'os d'ici? Coupé en deux. Ça veut dire toutes ces jambes étaient séparées de mon corps. Et au passage, en se pétant, elle a pété le pare-choc d'une C63S. Bref, j'ai eu au final une cicatrice tout le long de ici et la même que Louisa ici. Et alors d'aujourd'hui, elle a une plaque de fer dans la cuisse. Avec des trois vis. À mon tour! Hein? Vous connaissez la plus grosse blessure du foot, bien évidemment! Qu'est-ce que c'est? Les ligaments croisés! Et oui, malheureusement. Malheureusement, les ligaments croisés m'ont pris deux fois! Ils m'ont pris deux fois ces ligaments croisés! Pas une! Deux fois! Je vais vous expliquer. Déjà, pour commencer, la création de ce compte a été créée le 6 janvier 2021. Et le 6 janvier 2021, c'est le jour où je me suis fait opérer de mes ligaments croisés. Bref, voilà, je me suis fait opérer, nanana. Un an après! Malheureusement, je voulais reprendre le foot, mais malheureusement, j'aurais pas dû. Et c'est très important pour toutes les personnes qui ont les ligaments croisés, faites bien votre rééducation. C'est un conseil, vraiment. Du coup, un an après, le 27 septembre, ben, mon ligament il repète. Du coup, je me refais opérer. Et voilà. Bref, du coup, voici la raison de pourquoi je ne peux plus faire de foot et pourquoi ma soeur aussi ne peut plus faire de foot. Simplement. On n'a pas de chance, voilà.